Le rôle du hackathon, c'est de, c'est de trouver pour JC Deco les algorithmes de demain. On a une vraie problématique business autour de l'allocation de nos faces publicitaires et on a besoin de talents, on a besoin d'idées. Donc ce soir, on est rassemblés en fait pour 24 heures avec une cinquantaine de personnes qui travaillent autour d'un jeu de données qu'on leur a fourni pour apporter une réponse algorithmique à un problème de business courant et quotidien qui est de dire comment je fais pour répondre à des briefs qui peuvent être de nature différente, toucher des cibles différentes dans des géographies différentes. Là, il est 11h, donc les gens codent depuis hier 22h, donc les algos sont en cours, les premières soumissions ont été faites sur la plateforme. Donc on s'assurait qu'ils avançaient bien dans leurs travaux, on a essayé de comprendre un petit peu quelles étaient leurs pistes d'optimisation, donc on voit qu'il y a des choses assez différentes. Ils sont tous en train de tester leurs algorithmes, de préparer leur présentation. Donc dans une heure, ils auront 3 minutes de présentation chacun, à la fois sur le côté business et sur le côté data. Merci infiniment pour votre participation et on est très impatients de voir ce sur quoi vous avez travaillé et surtout les résultats. Et justement, les lagages sur chacune des campagnes permet de réduire le gâchis à quasiment zéro. Alors 3 équipes ont été récompensées, d'ailleurs la première et la seconde étaient très proches. On a bien vu qu'ils avaient travaillé énormément pour ce résultat et que leur grande joie était aussi un peu la nôtre. Félicitations à tous pour ça et nous sommes au titre de JC Deco ravis d'avoir collaboré avec Numa et Veltis pour ce beau succès.